Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce pod. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ceci est un témoignage puissant. Et dans ce témoignage, nous allons entendre des choses vraiment qui sont hors du commun. Eh bien oui. Elle a vu des gens mourir dans le péché, en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens sur la terre ici qui ont vécu une vie de pécheresse se sont retrouvés morts après. Et les démons qui les ont maintenus dans ce péché durant leur vie, ce sont ces démons-là qui sont venus les chercher encore pour les conduire dans ce lieu de tourment. C'est un témoignage. Vraiment, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est de vous dire, mes frères et sœurs, écoutons attentivement. C'est parti. Frère, la vie éternelle est une affaire individuelle. Quand tu mourras, tu seras seul. Personne ne sera avec vous et vous affronterez seul l'au-delà. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple qu'à côté de l'enlèvement, il y a la mort. Les gens disent que les pasteurs n'arrêtent pas de dire que le Seigneur reviendra mais qu'il ne reviendra pas. Ils ne comprennent pas que la mort viendra à tout moment. De nombreuses personnes vivant sur terre ont leur place préparée en enfer par des démons à cause de vies pécheresses. Jésus a dit, les gens ne vont pas en enfer quand ils meurent. Ils sont sur le chemin de l'enfer quand ils vivent dans le péché et commettent de mauvaises actions. Lorsque vous ne parvenez pas à vous repentir malgré la prédication et l'avertissement du Seigneur, lorsque vous vivez continuellement une vie pécheresse malgré les nombreuses tentatives du Seigneur pour sauver votre âme, vous êtes sur la grande route menant au grand gouffre de feu. Frère, la façon dont nous vivons la vie sur terre est la clé de notre éternité. Votre style de vie est la clé et déterminera votre éternité. Car quand vous mourrez, vous ne reviendrez pas. C'est définitif et réglé. Tout ce que vous voyez sur cette terre passera. Vanité sur vanité et poursuite du vent. Ne vous laissez pas impressionner par le plaisir, l'amusement et le divertissement de ce monde tiré sous vos yeux par l'ennemi. Frère, abandonnez complètement votre vie à Christ. Vous devez toujours examiner votre vie et votre marche tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Lorsque vous examinez souvent votre vie, vous identifierez certainement vos faiblesses et vos lacunes. Ensuite, vous prendrez des mesures agressives. Vous devez toujours observer et revoir le cours de votre vie dans la journée, comment vous passez votre journée du matin à l'après-midi, jusqu'au soir. Je veux vous demander de vivre une vie de confession et de renoncement. Frère, ne vous y trompez pas. Lorsque vous péchez le matin et que vous ne confessez pas votre péché tout de suite, lorsque la mort vous surprend le soir, vous tombez dans le feu de l'enfer. Apprenez à confesser votre péché au moment où vous réalisez que vous êtes tombé, sinon vous perdrez votre âme, la couronne de vie et les récompenses pour le travail que vous avez fait pour le royaume des cieux. La repentance quotidienne doit être un style de vie. Cela doit devenir une discipline et le dévouement de tous les jours. Bien-aimés, les hommes mortels peuvent jouer avec votre argent, vos vêtements et vos biens, mais vous ne devez laisser personne jouer avec le sort de votre âme, car votre âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Notre âme est ce qui compte pour Dieu. Le Seigneur essaie de nous dire que le repentance et le renoncement sont cruciaux pour son peuple. Les hommes animaux, je vais maintenant parler des démons qui travaillent pour que le peuple de Dieu aille en enfer. Frère, tu dois décider de ne pas aller en enfer car j'ai vu des tourments extrêmes et horribles dans cet endroit. L'ange du Seigneur est venu et a pris mon esprit et il a commencé à me parler des comportements et des personnages qui conduisent le peuple de Dieu en enfer. L'ange a dit, dans la guerre chrétienne, il y a un démon derrière chaque péché que le croyant commet. Chaque fois qu'un péché devient persistant dans votre vie, il y a un démon actif pour vous lier à ce péché. Les comportements compulsifs et la dépendance sont causés par des démons qui poussent les gens à pécher. À moins que vous ne soyez libérés de l'esclavage du péché, vous ne serez pas libre. Ensuite, l'ange du Seigneur a commencé à me montrer des esprits impurs qui ont influencé les croyants dans l'église. L'ange m'a emmené dans la maison d'un croyant. Quand cet homme est entré dans sa maison, tout semblait aller bien. Mais quand il est sorti de chez lui, j'ai vu que sa tête était celle d'un serpent. L'ange m'a dit, ce croyant, comme beaucoup d'autres, est influencé par l'esprit d'un serpent, qui est l'esprit du mensonge. C'est le genre de chrétien qui cause la division dans l'église, séparant les gens avec sa langue. Puis l'ange m'a montré le deuxième croyant. Quand il est rentré chez lui, il allait bien, mais
Mais quand il est sorti de chez lui, j'ai vu qu'il avait une tête de chèvre. L'ange a dit, cet homme poussait les gens à se frapper la tête comme des chèvres. Il amène les gens en conflit à se frapper la tête. Puis l'ange me montra un autre croyant sortant de sa maison. J'ai vu qu'il avait une tête de chien. L'ange a dit, malgré le fait qu'il entend la parole de Dieu, il revient toujours à son péché comme un chien qui retourne à son vomi. Puis l'ange m'a montré un autre chrétien. Quand il est rentré chez lui, il allait bien. Mais quand il est sorti de chez lui, j'ai vu qu'il avait une carapace de tortue qui le recouvrait. L'ange a dit, ce croyant vient à l'église mais c'est un sorcier. Il entend la parole de Dieu continuellement, mais il a endurci son cœur et la parole de Dieu n'a aucun effet sur lui. La carapace de la tortue arrête l'eau, qui est la parole de Dieu d'entrer dans son cœur. Les gens qui sont dans la sorcellerie ont des cœurs de pierre et ils ne se repentent pas malgré la parole de Dieu. L'ange me montra un autre croyant sortant de sa maison. J'ai vu qu'il avait des plumes de paon. L'ange a dit, c'est l'esprit de fierté. Il y a des enfants de Dieu qui servent Dieu avec fierté et se comparent à d'autres serviteurs et essaient d'obtenir la gloire. Le Seigneur exalte les humbles et rejette les orgueilleux. Les anges de la mort, frères, le Seigneur m'a montré la mort du pécheur. C'est terrible. J'ai vu des gens mourir dans leurs péchés. Ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont gaspillé l'opportunité de se repentir. Ils sont morts dans leurs péchés et j'ai vu quand leurs âmes ont quitté leur corps. Immédiatement, j'ai vu des démons venir capturer leurs âmes. J'ai remarqué que ces esprits impurs qui sont venus pour eux étaient des squelettes. Ils étaient vêtus de vêtements noirs. Et ces démons de la mort qui étaient des squelettes tenaient des fouets. Je les ai vus capturer les âmes de personnes qui sont mortes dans le péché. Ces âmes ont été capturées et emmenées sur une route sombre et un tunnel sombre les menant à la fosse de feu. Frères et sœurs, j'ai vu des anges de la mort capturer des gens qui sont morts dans leur péché et les conduire en enfer. La mort d'un pécheur est terrible. Chaque fois qu'un homme meurt dans le péché, il prend rapidement conscience du monde des esprits et il commence à voir des démons qu'il ne pouvait pas voir auparavant. Il souhaiterait l'aide des pasteurs mais il sera trop tard. Frères, lorsque vous vivez dans le péché, vous ne réalisez pas le grave danger auquel vous faites face. C'est lorsque vous mourrez et que vous verrez le monde des esprits que vous réaliserez la gravité du monde des esprits. L'ange du Seigneur m'a révélé que les gens sont tourmentés en enfer par les démons même qui ont gagné leurs âmes. Ce sont des démons qui les ont liés au péché. C'était des démons qui les poussaient à vivre dans le péché. Chaque fois que vous vivez dans le péché, vous accomplissez en réalité les ordres et la volonté des esprits impurs qui travaillent pour gagner votre âme. Notez que les démons poussent les hommes à pécher afin de gagner leurs âmes et de les entraîner en enfer et de les tourmenter dans le feu jour et nuit. Ne vous y trompez pas, vous allez devoir confesser votre péché pour échapper à cet endroit horrible. L'ange m'a révélé que derrière chaque péché il y a un démon. La vie pécheresse que les gens vivent sur cette terre est le résultat d'une influence démoniaque. L'ange a révélé que dans la vie de chaque homme, il y a un péché majeur auquel ils sont attachés. Et quand les gens tombent en enfer, ils sont emmenés par les démons qui les ont maintenus dans le péché dans un département et une vallée spécifique correspondant au péché répétitif qui était leur péché majeur. Frères, la vie que vous vivez maintenant vous mènera soit au paradis, soit en enfer. La façon dont vous marchez sur cette terre a une conséquence éternelle, car vos actes et vos actions vous suivront. La conséquence finale des actions et du comportement des gens sur terre est soit le ciel, soit l'enfer. Le Seigneur m'a montré le processus de la mort. Comment les hommes sont morts et comment les hommes vivent sur terre. Nous étions en retraite de prière avec des frères et sœurs. Nous avons prié jusqu'à 22 heures, puis quelque chose s'est produit. En fait, j'avais l'impression d'être étouffé. Immédiatement j'ai entendu la voix du Seigneur dire, « Isaac, maintenant je veux te montrer comment les gens meurent. Je veux que vous fassiez l'expérience du processus de la mort. » Quand j'ai entendu ces mots, j'ai eu peur et j'ai pensé que je mourrais pour de bon. J'ai dit, « Seigneur, s'il y a un péché dans ma vie que je ne connais pas, je t'ai demandé de me pardonner. J'ai dit à ma femme de me tenir la main et de prier pour moi car Dieu est sur le point de faire quelque chose dans mon corps. Quand ma femme a fini de prier, j'ai commencé à avoir une sensation étrange. Soudain, j'ai entendu comme une explosion d'un ballon à l'intérieur de mon corps. Quelque chose a explosé dans mon corps comme un ballon. Personne n'a entendu cette explosion, pas même ma femme qui était à côté de moi. Immédiatement après l'explosion du ballon, j'ai commencé à sentir un air très fort sortir de ma bouche avec une grande pression comme un ballon qui se dégonfle. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. À un moment donné, l'air qui sortait de ma bouche s'est arrêté car je ne pouvais plus l'entendre.
C'est comme si le ballon qui avait explosé dans mon corps s'était vidé de tout l'air qui en sortait. Mon corps était vidé de l'énergie vitale de la vie et privé du souffle que Dieu avait insufflé dans mes narines, qui est l'âme. J'en suis venu à comprendre que l'air qui sortait de ma bouche était mon âme, qui était mon corps. L'explosion de ce ballon était mon âme vivant mon corps et j'étais mort. La Bible dit dans Genèse 2 verset 7, « Et Jéhovah Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Donc, quand j'ai quitté mon corps, j'étais comme dans le noir, incapable de voir quoi que ce soit et j'étais confus. Puis soudain, j'ai entendu une autre explosion, qui était comme un ballon qui était pompé avec de l'air. C'était en fait le retour de mon âme dans mon corps. Je suis revenu à ma conscience. Quand je suis revenu à la vie, j'ai vu mon corps trembler et il y avait un fort courant dans mon corps. Frères et sœurs, nous ne sommes pas les maîtres du souffle de vie qui anime notre corps. Le Seigneur est le maître de notre souffle. C'est par sa volonté que nous vivons sur la terre grâce au souffle de vie qu'il avait placé en nous. Le souffle de vie est la grâce de Dieu pour nous de nous repentir et d'amender nos vies car nous n'avons aucun contrôle sur lui. La Bible dit « Toute chair est herbe, et toute sa beauté est comme la fleur des champs, l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera pour toujours, l'homme est comme la vanité, ses jours sont comme une ombre qui passe, ne te glorifie pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut produire. » Lorsque l'ange du Seigneur m'a emmené en enfer, j'ai vu une douleur et un tourment incroyables dans cet endroit. Il y avait des démons. Des vers pénétraient dans le corps des gens et les douleurs étaient insupportables. Quand j'ai vu cette souffrance, j'étais sous le choc car c'était horrible. J'ai commencé à crier au Seigneur d'aider ces gens car la douleur était insupportable. Le Seigneur a dit, « Je leur ai donné l'opportunité de se repentir sur la terre, mais ils ont négligé et gaspillé l'opportunité de se repentir de leurs péchés. Il est trop tard pour eux. Ils ne quittent pas cet endroit. » En enfer, j'ai vu que les démons se moquaient continuellement des âmes perdues, leur disant, « Vous n'avez pas réussi à vous repentir. » Vous avez entendu la parole mais vous étiez des hypocrites et vous aviez une double vie. Vous aurez pu aller au paradis mais vous avez écouté nos voix et nos mensonges. Vous avez accepté nos offres. Par conséquent, vous serez ici pour toujours. Les démons ont soumis ces âmes perdues à la moquerie car elles ont négligé l'opportunité de se repentir et d'entrer dans la gloire. Puis le Seigneur m'a montré une sœur qui chantait à l'église. Elle était dans un endroit en feu et elle criait. Quand la sœur m'a vue, elle a commencé à m'appeler pour me demander de la sortir du feu. La sœur a dit, « S'il vous plaît, faites quelque chose. » Elle me dit, « J'ai l'impression que ma sœur qui est la femme d'un pasteur vit en rase à cet endroit. Je crains que mon beau-frère ne vienne également à cet endroit. Faites quelque chose, prévenez-les. Ils viendront ici s'ils ne se repentent pas. » Jésus a dit, « Cette femme est ici à cause de la sorcellerie et des mensonges. » Elle chantait dans l'église, mais elle n'a pas abandonné le travail de sorcellerie. La sœur a dit, « J'étais une hypocrite, j'avais un double visage et j'étais une sorcière. Bien que je sois venue à l'église et que j'ai entendu la parole de Dieu à plusieurs reprises, je n'ai pas réussi à me repentir. Sans possibilité de sortie. Dans le monde, j'avais de l'argent et des biens. Mais depuis que je suis tombée à cet endroit, je ne vois plus l'argent. J'ai tout perdu. » J'en suis venu à la conclusion que tout n'était que vanité depuis que je mors, je ne vois pas les choses pour lesquelles j'ai travaillé. Allez dire à ma famille de ne pas venir ici. Après cette expérience, je suis allé voir sa famille, je leur ai raconté cette expérience et je les ai avertis de se repentir. Puis j'ai vu notre ancien président en enfer à cause du sacrifice humain. Frère, j'ai vu des gens en enfer boire de l'acide. Je pensais qu'ils buvaient du jus. C'était des gens qui buvaient du sang humain sur terre. Parmi ces personnes, j'ai vu notre président. Il buvait aussi de l'acide. Sa présidence était basée sur le sang humain. L'acide qu'il buvait détruisait son corps. On m'a dit qu'il avait tué beaucoup de gens pendant sa présidence et qu'il avait fait beaucoup de mal. On m'a montré beaucoup de richesses qu'il avait acquises, et beaucoup de biens et d'appartements qu'il avait sur la terre, ce qui ne pouvait pas le sauver. Il était en prestige sur terre, mais il rejetait l'évangile. C'est sa récompense. Il souffrait pour les âmes qu'il avait tuées. Ils étaient sur son dos. Il était censé les porter pour toujours. Il était dans la fumée et le feu. L'ange m'a montré un homme pleurant dans le feu. Il a été fouetté par des démons. Certains d'entre eux lui tiraient des flèches. L'ange a dit, « C'est l'un des musiciens de votre pays. C'est l'artiste musical Franco Luambo. Il a exalté le diable dans sa musique et lui a donné la gloire. » Les gens l'appelaient le grand maître parce qu'il servait le diable dans un haut niveau.
L'ange m'a dit, les enfants de Dieu doivent éviter la musique profane. C'est un aimant à démons. Cette musique attire les démons dans vos maisons. L'ange m'a montré un homme jouant de la musique profane sur la terre. Mais quand j'ai levé les yeux en l'air, j'ai vu un démon dans l'espace. Il était assis sur le trône dans les airs. Ce diable avait la forme du serpent. Et à côté de lui, il y avait deux démons. L'ange a dit, le serpent qui est sur le trône est Satan. Chaque fois que les gens jouent de la musique profane dans leur maison et leur téléphone, ils invitent Satan dans leur maison. Mais quand le peuple de Dieu chante des chants de louange et d'adoration dans leur maison, Dieu et ses anges descendent. L'ange a dit, quiconque écoute de la musique profane quand il mourra, il sera capturé et accusé par le démon même de la musique qu'il influence. Ce démon de la musique torturera son âme en enfer. L'ange a montré de nombreux démons de la musique travaillant avec des artistes musicaux. Il a dit, cette musique répand la séduction. Le Seigneur m'a ensuite emmené dans un endroit en enfer où j'ai vu une mère et ses deux enfants. Ils pleuraient dans le tourment. Alors qu'ils pleuraient, le Seigneur dit, regarde à leur côté. Quand j'ai regardé, j'ai vu un démon qui avait la partie inférieure d'un mille-pattes et la tête d'un homme. Ce démon de la musique profane réprimandait cette mère et lui disait, Mère, vas-tu maintenant continuer à chanter les chansons profanes que tu chantais dans le monde? Et puis le démon dit aux enfants, vous les petits, allez-vous chanter avec votre mère comme vous le faisiez dans le pays? Alors que le démon criait, j'ai vu la mère pleurer davantage. Le Seigneur a dit, cette femme mettait de la musique profane à la télévision et ses enfants dansaient et elle les complimentait. Frère, j'ai vu des enfants en enfer souffrir et pleurer. Personne ne pouvait les aider. Les enfants vont en enfer à moins que nous ne leur enseignions la voie du Seigneur. Vraiment, mes frères et sœurs, la musique profane. Vous voyez ce que vous écoutez. Regardez dans votre appareil. Tout ce qui est de la musique profane, oh, mes frères et sœurs, pardonnez. S'il vous plaît, débarrassez-vous de cela. Parce que c'est comme vous avez quelque chose qui vous conduit sur un chemin où se trouve au bon milieu. Un trop gros, un très gros trou. Un très gros trou. Un trou énorme. Gigantesquement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein? Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir, vous allez croire tout ce que j'essaie de vous dire. Parce que c'est pas de la blague. Fuyez tout ce qu'il y a de ce monde. Fuyez tout ce qui est fait de ce monde. Même dans les deux vidéos qui apparaissent ici, sur le corne, vous allez voir ce que j'ai raconté. Et c'est vraiment. Je pense que c'est Dieu qui permet chaque chose, quoi. Tout ce que nous sommes en train de découvrir ici rentre en relation avec tout ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente de ce jour-là même. Ça veut dire que vraiment, Dieu est dans sa parole. Nous sommes dans la révélation. Et mes frères et sœurs, vraiment, faites tout et faites tout pour fuir l'industrie de la musique profane. Je vous assure, ce qu'on appelle la musique du monde, la musique qu'on écoute. Au départ, c'est fait pour nous enjailler. On dit, oh, c'est pour nous distraire. Oh, Jackie, il y a des démons qui travaillent derrière afin de conduire les âmes en enfer. Regardez ici. Regardez ça. D'où pensez-vous que tout cela, ça vient? Qui a pu s'imaginer tu pareil et dessiner comme ça? Le diable nous tient par des fils, par des chaînes. Le diable tient les gens par des cornes, par des chaînes. Il ne faut pas lui donner l'opportunité de continuer à travailler. C'est pourquoi dès à présent, libérez-vous du péché. Libérez-vous des films X que vous avez dans vos portables. Les films X, c'était le fameux là qui dit, je ne sais pas comment faire les rapports dans les films X. Ça ne sert à rien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ton chien à la maison n'a pas appris ça dans un film X. S'il vous plaît, fuyez le péché là maintenant. Fuyez le péché là maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des gens qui sont morts par accident, qui n'ont pas eu le temps de demander pardon à Dieu ou de faire la dernière prière. Il y a des maladies même. Quand ça te prend, même pour ouvrir la bouche, pour parler à Dieu, c'est difficile. Que Dieu nous garde. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu
nous permet de voir ce que nous ne pouvons pas voir afin de prendre de très bonnes décisions. Même moi-même, allez là, dès que je finis la vidéo, je vais regarder à gauche et à droite s'il n'y a pas des choses du diable chez moi et nettoyer ma vie avant que 2022 n'arrive. Que la paix du Seigneur soit avec vous.